Yo les potos, c'est Virus. Glitch after patch. Transfert de motif les potos. C'est le même glitch que la duplication que Kevin by Apple a présenté l'after patch. Donc, comme d'hab, session sur invitation les potos. Il va vous falloir quelques prérequis. Donc, tout d'abord, assurez-vous que vous avez un mode différent de ceux des joueurs que vous pouvez connaître pour pouvoir vous téléporter au moment opportun ou pour rejoindre un mode de visée différent lors du glitch. Excusez-moi. Donc pour ceci, il va vous falloir posséder n'importe quel bunker. Il va vous falloir posséder n'importe quel complexe. Ça marchera avec tous. Il va vous falloir posséder le MOC en module 3, dépôt de véhicules personnels. Pour la première étape, vous y mettrez la oppressor. Et dans le complexe, votre Magic Slot. Allez, c'est parti. On va attaquer le glitch. Là, vous allez sortir la oppressor de votre MOC. Sur les poteaux, quand vous serez hors du MOC, ne faites pas R2. Ça va vous sortir du bunker automatiquement. Vous la sortez du MOC. On va la pousser un peu. Vous la poussez un peu, histoire que vous ayez moins à la pousser quand vous aurez fini la première étape. Allez, c'est parti pour la suite du glitch. Donc vous la laissez là, vous n'y touchez plus. Là, on va sortir. Vous allez vous mettre en sécuroserve et vous allez appeler un busard. Un véhicule de PDG, pas de véhicule personnel, sinon. Vous allez foirer le glitch. Donc là, vous demandez à Buzard et vous allez vous rendre au complexe. Allez, c'est parti, à tout de suite au complexe les poteaux. Une fois que vous êtes arrivé au complexe, vous rentrez dans votre complexe. Là, dans le complexe, il y a votre Magic Slot qui vous attend. Je l'ai mise là-haut, c'est le Fat Joe Rose. Allez, c'est parti.
Là, vous allez dans vos cartes personnelles. Il est là, l'after patch, les poteaux. Là, les poteaux, vous allez vous mettre à côté du lit. Vous allez maintenir option. Vous allez relâcher, faire flash de droite. Vous voyez, là, j'ai loupé. Pas grave. On va recommencer. Sans rien vouloir d'être pressé. Option, je relâche flèche de droite. J'ai encore loupé. Pas grave, on se représente. On maintient option. Au moment où on relâche option, on claque flèche de droite. Option, je relâche flèche de droite. Là, voilà. Vous voyez, il va se coucher. Là, on va faire carte, pavé tactile, et on va sélectionner une activité. On la sélectionne, on la lance, il se passe rien. On fait triangle pour se relever. Et là, on va se présenter à notre Magic Slot. On va monter sur le Fadio. Je le répète, qui est ma Magic Slot. Là, je vais rejoindre quelqu'un qui joue en mode de visée différente de la mienne. Sur le premier message, je vais maintenir les gaz. Je vais faire X sur le premier message, tout en maintenant R2. Je vais faire rond. Et sur le troisième message, je vais lâcher les gaz et je vais accepter le troisième. Donc là, tout a des spawns. Et on va se faire kick du complexe. Donc là, on se fait expulser. Là, on va rappeler un Fadio, un buzzard du PDG. Et là, on va se rendre au bunker. Allez, à tout de suite au bunker. Que vous êtes arrivé au bunker, donc là il n'y a plus qu'à pousser là au pressor jusqu'au point bleu de votre mock. Surtout ne montez pas dessus et mettez les gaz, vous allez vous faire expulser du bunker. Donc allez, c'est parti. Allez, on pousse. Allez, plus que quelques centimètres et ça sera bon.
à Montessor là où paraît sort. Et on fera flèche de droite pour confirmer la duplication. Donc là, ce que j'ai dans les mains maintenant, c'est ma magic slot. Faut bien que vous compreniez que ce que j'ai dans les mains, c'est la magic slot et la dupe. Et l'original est au complexe. De toute manière, je vais faire la transition avec ma magic slot et ma duplication pour que vous compreniez bien et que vous voyez bien que c'est une duplication. Donc là, on va sortir du bunker et je vais aller jusqu'au complexe pour faire l'échange, pour finir la manip. Donc allez, c'est parti, on y va. Je vais faire l'échange avec l'original. Là, je vais sortir. Je vais me re-TP au bunker. Et je vais appeler le véhicule qui a le motif. Donc, pour ma part, ça sera le vagrant, puisqu'il y a le motif pièce. Et on va pouvoir le transférer avec le vagrant. Donc, vous voyez, c'est le motif pièce. On va le mettre dans le mock. On va le ressortir du mock. Là, voilà. Là, on va le placer à côté de la dalle et on va se rendre au complexe. Et tout ça, je l'ai fait dans la même session, les poteaux. Donc, vous laissez à cet emplacement-là. Et là, on va se rendre au complexe. Allez, à tout de suite au complexe. On est reparti. Voilà, ma magic slot est bien là-bas. On retourne dans ses quartiers personnels. On se présente au lit. On maintient option. On relâche option. On écrase bien flèche de droite. Voilà les poteaux. Donc là, on va faire carte, pavé tactile. On va sélectionner une activité à l'extérieur. On va la lancer. On confirme. Et puis voilà. Là, vous n'avez plus qu'à faire triangle. On va monter sur la oppressor qui est notre magic slot. Là, on va rejoindre quelqu'un qui joue en mode de visée différente. Là, ce premier message, on match R2, on valide le premier, on refuse le deuxième, on relâche R2 et on valide le troisième. Donc là, on va se faire expulser du complexe. Et là, on redemande un busard et on retourne au bunker. Donc on
C'est un rendez-vous au bunker. Allez, à tout de suite au bunker. Là, vous montez dans le wagon, vous présentez au cul du moc, vous allez préparer à déconnecter Internet, vous allez aller sur paramètres, réseau, vous allez mettre votre curseur sur déconnecter Internet, vous allez valider le message et une fois que vous voyez dans le moc, tout de suite, vous déconnectez Internet. Dès que vous voyez, boum, déconnexion, reconnexion, vous allez avoir un message, vous validez. Vous allez atterrir en mode histoire. Donc là, on refait une session sur invitation. Et là, il n'y a plus qu'à aller vérifier que notre motif bien transféré sur notre oppresseur. Donc les poteaux, n'oubliez pas, c'est votre magic slot. Soit vous donnez le véhicule, soit vous le redupliquez. Sinon, dès que vous allez fermer le jeu, vous allez tout perdre. Toutes les modifications, tout le modage, vous allez tout perdre. Donc n'oubliez pas ça, c'est la magic slot. On duplique ou on donne. Et ne vous inquiétez pas, vous ne donnez pas votre magic slot. Donnez juste la duplication. Donc là voilà, transfert de motif. J'ai tout récupéré, les feux, la plaque. Même si on la voit pas, la plaque bien sûr. Donc là voilà les poteaux. Magnifique, oppresseur, motif, pièce. Et avec le wagon, vous pouvez passer tous les motifs. Donc moi, les poteaux, je vais vous laisser. Je vous dis bon glitch à tous. Amusez-vous bien. Attention à vous. Protégez-vous bien. Allez, ciao les poteaux. Ciao. Bye.